Sébastien Farran prend la parole pour soutenir Laetitia Hallyday. Dans un documentaire consacré à la relation entre Johnny et sa dernière femme qui sera diffusé le lundi 12 juin sur BFM TV, le manager de la star décédée en décembre dernier revient sur le combat du chanteur contre la maladie et sur l'aide précieuse que sa dernière épouse lui a apportée. Ce mardi 6 juin, le magazine Gala publie des extraits de cet entretien dans son édition en kiosque. On y apprend notamment que Laetitia Hallyday a passé beaucoup de coups de fil à des médecins pour tenter d'améliorer l'état de santé de Johnny Hallyday. Elle a contacté des médecins en France, à l'étranger, y compris des praticiens de médecine parallèle. Jusqu'au bout, elle y a cru. Jusqu'au bout, ça a été son combat, raconte Sébastien Farran dans le documentaire prochainement diffusé sur BFM TV. Soutien de la veuve depuis la mort de la star, le manager de Johnny Hallyday révèle également le rôle prépondérant que jouait Laetitia dans la carrière de son ami, si est-il la reine. Johnny étant évidemment un roi, il ne prend pas une décision sans elle et il écoute l'intégralité de ses choix. Johnny Hallyday aurait fêté son 75e anniversaire le 15 juin prochain. Mort en décembre dernier, l'artiste a laissé derrière lui des millions de fans et un héritage qui est, aujourd'hui, l'objet d'une querelle judiciaire entre sa dernière épouse et ses deux plus grands enfants.